Africa Football. Two, please open your camera. One. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence Africa Football et ce sixième thème, la gestion de la performance dans le football, un thème technique, mais qui sera très intéressant parce qu'il y a énormément d'excellents intervenants avec, vous les découvrirez tout à l'heure, notamment Souleymane Camara, Sadio Demba, qui seront les représentants du football sénégalais. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet proprement dit, on vous rappelle que cette première édition d'Africa Football a pour parrain le regretté Pape Diouf. Et on lui rend hommage, évidemment, à cette grande figure du football africain et français également, avec aujourd'hui un témoignage de Joseph-Antoine Bell qu'on va écouter tout de suite. Africa Football s'est choisi un parrain, je pense, un parrain appuyé, un parrain cohérent, dans la mesure où Pape Diouf, qui a été journaliste et qui, grâce à notre rencontre, est devenu agent de joueur. Agent de joueur signifiant dans mon esprit surtout conseil, donc a pu faire ses preuves dans la conduite du management du sportif et du footballeur notamment. Et donc, je pense que de cette position, parrainer l'évolution du football en Afrique, qui était une de préoccupation pour lui, je veux dire l'Afrique, nous en parlions tous les jours, c'est plutôt quelque chose de courant dans la logique des choses et donc je crois que les responsables à Afrique Football ont eu de la suite dans les idées. Qu'est-ce que nous avons fait ensemble, surtout, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est que cette Afrique-là, nous en parlions assez souvent. Cette Afrique, d'ailleurs, si Pape Diouf est devenu agent, c'est parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde. À l'époque, déjà, les agents étaient rares et je ne voulais pas un agent blanc, comme si un noir ne pouvait le suivre que s'il était entouré de blancs. Donc, je n'ai rien contre les Blancs, mais j'avais quelque chose pour la promotion des Africains qui pouvaient faire aussi bien que les autres s'ils étaient mis dans les mêmes conditions. Voilà le témoignage de Joseph Antoine Bell, grande figure lui aussi du football africain, du football camerounais, et puis un ami de RFI, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et pas eu la chance de croiser Pape Diouf, mais c'est vrai qu'il laisse une empreinte, une image très, très forte auprès des amateurs de football, mais pas seulement, je pense, en Afrique et pas seulement en France, partout dans le monde. Voilà pour l'hommage à Pape Diouf. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Now, we are going to talk about performance. Football. Performance que tout le monde recherche en permanence, mais qu'est-ce que c'est la performance? Comment l'atteindre et comment ne pas dépasser ses limites? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va vous présenter les différents panélistes qui interviendront aujourd'hui, à commencer par Monsieur Aziz Daouda, que je vais vous laisser vous présenter, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Ben exactement, c'est ce que je suis actuellement. Je suis le directeur de technique et de développement de la Confédération et j'ai par le passé, pendant 35 années, dirigé l'athlétisme marocain avec les résultats que vous connaissez. Donc, je me suis spécialisé en performance sportive. Je suis de métier physiologiste.
Merci, Aziz Daouda. On va ensuite parler avec vous parce qu'on a, beaucoup de gens qui sont attachés à la science. José Galindo. That's correct. Yep. Vous, nous parlez d'Australie. Alors, qu'est-ce que c'est derrière vous? Qu'est-ce que c'est ce fusion sport qui est derrière vous? So we have a company that provides a platform for data visualization in human performance. Our main objective is to work with the military, Olympic committees, sports in general, and the arts. And our main drive is to categorize what is data visualization, in particular, no coding platform. And with that, understand what are the patterns that we can see together with our clients. So potentially we can understand patterns and eventually find models for injury prevention. That's what we do for a living. Merci beaucoup, José Galindo. On va rester en Australie parce qu'on a un panel assez australien aujourd'hui avec M. Craig Duncan. Spécialiste en performance humaine. Yes, how are you? Ça va? Thank you. I my background is sports science. I have a doctorate in sports science, and I have a company called Performance Intelligence Agency, and we work around the world in actual maximizing performance. Merci. Particularly, oui. And we specialize in football and particularly international teams. We do a lot of work with, having worked with the Australian national team, the Iran national team, Colombia. We've worked in Japan as well. So across the globe, we've sort of been working, but not yet in Africa. So we look forward to that one day. Merci Craig, l'équipe d'Australie qui, en tant que Français, nous avait donné quelques sueurs froides pendant la Coupe du Monde 2018. On a eu un peu peur, heureusement ça s'était plutôt bien terminé. La Coupe du Monde 2018, ça s'était bien terminé face à la Belgique aussi. Bonjour Chris van der Hegen. Vous êtes technicien, un vrai technicien du football. Oui, c'est ça. Le micro est fermé, Chris. Il faut ouvrir le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Pardon, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, je suis là. Oui, donc en effet, je suis technicien, je suis directeur de l'école des entraîneurs de la Fédération belge. Et à partir de ce poste, je délivre le cours de la licence pro. Et voilà, on a ici un ancien élève à nous. Sadio, il était dans notre cours, voilà. C'est là où j'ai eu mon premier contact avec le Sénégal. Mais voilà, je ne suis pas seulement dans la course, il est très important de pratiquer aussi. Donc, je suis encore actif comme entraîneur adjoint de l'équipe nationale féminine. Et je suis scout pour Roberto Martinez et notre équipe masculine. Donc, j'étais dans le stade pour faire le rapport de l'équipe de France. Dans le match dont vous venez de parler, l'Australie-France. Voilà, et pour terminer, je suis aussi membre du panel JIRA en UEFA, ce qui fait que je fais le contrôle de qualité dans les autres pays membres de l'UEFA au niveau des formations des cadres. Merci beaucoup, Chris. Et vous avez un peu dévoilé le suspense en présentant un petit peu Sadio Demba. Bonjour, coach. Moitié belge, moitié sénégalais, mais 100% entraîneur de football. Le micro, ouvrez le micro. Oui. Voilà.
Alors, on vous entend pas, coach. On vous entend pas à cause du micro à nouveau. Est-ce que vous y arrivez avec votre micro, coach Demba? Est-ce que vous arrivez à l'ouvrir? Non, toujours pas. En bas à gauche, normalement, de votre écran. Vous devez avoir activé le son. Ah, voilà. Ça a été très bref. En attendant, comme on n'entend toujours pas coach Demba, on va passer d'abord à Souleymane Camara. On va revenir vers vous, coach Souleymane. Ah, ça y est, on a retrouvé Sadio Demba. Donc, Sadio Demba, entraîneur de football. Voilà. Voilà, je suis sénégalais, ex-international. Je suis arrivé en Belgique il y a de cela presque 34 ans maintenant. J'ai eu la chance de fréquenter l'école des entraîneurs où j'ai M. Chris Van der Haag, mon directeur et mon professeur à l'UEFA Pro. J'ai eu l'occasion de travailler ici en Belgique dans différents clubs. Puis je me suis rendu en Arabie Saoudite et je viens de revenir en Belgique depuis quelques jours. Merci coach. Et puis pour n'oublier personne, on va saluer également Souleymane Camara qui est avec nous, international sénégalais lui aussi. Et puis un passionné de Montpellier. Bonjour. Oui, je suis Souleymane Camara, ancien international sénégalais et ancien joueur de passé par Monaco et Nice, Guingamp, et terminé par la suite à Montpellier. Donc là, je viens de terminer ma carrière. Je suis en formation en ce moment. Et donc, voilà. Voilà. Je suis content d'être parmi vous. On a hâte de vous retrouver sur les bords des terrains rapidement, Souleymane. On va commencer donc cette conférence sur la gestion de la performance. Et on va commencer par aborder la question de qu'est-ce que c'est que la performance avec vous, Aziz Daouda. Vous allez nous parler un petit peu de comment la performance, comment aller chercher la performance, quels sont les ingrédients de la performance sportive. Oui, alors effectivement, il y a une grande problématique de sémantique, donc d'utilisation des mots, qui induit une incompréhension des composants de la performance et de comment on arrive à la performance. Et donc, il est essentiel pour les sciences de l'entraînement sportif que d'avoir une définition aussi précise que possible. Une définition n'est jamais très précise, mais aussi précise que possible de ce que peut être la performance. Parce que des fois, il y a une grande confusion entre performance et résultat. Il y a la tendance à considérer le résultat collectif comme une performance collective, alors que la performance ne peut être qu'individuelle. Enfin, il y a des problèmes comme ça, et je pense que nous devrions, en tant que spécialistes, déjà débattre de cette question de performance sportive et de voir dans quelle mesure on peut se mettre d'accord sur d'abord la terminologie. Alors je vais juste essayer de voir comment ça va passer. Je n'arrive pas à passer, moi. Alors, le premier problème est tout simplement le fait de vouloir à chaque fois copier l'autre ou à chaque fois apprendre de l'autre, mais sans faire l'effort de comprendre soi-même ce que peut être la performance telle que nous la concevons, et c'est-à-dire quelque chose d'individuel. Donc, j'ai toujours donné cette image. Nous avons tous marché un jour sur une plage et nous avons tous, en étant qu'enfant, même adulte, essayer de marcher sur les pas de quelqu'un d'autre. Mais jamais personne ne réussit à marcher sur les pas de quelqu'un d'autre. Jamais. On peut le faire tout à l'heure sur le bord d'une plage à Dakar ou sur le bord d'une plage en Belgique ou à Brisbane en Australie et l'expérience est très vite résolue puisqu'on n'arrive pas. Alors pourquoi on n'arrive pas? Parce que chacun de nous a une morphologie particulière. Chacun de nous a un potentiel physique et mental particulier. Chacun de nous a un rythme biologique, un rythme de la vie qui est particulier. Et chacun de nous pense de façon particulière.
Et chacun de nous a un caractère distinctif et chacun de nous est une part d'une culture. Il a une culture à lui qui est distinctive, mais qui fait partie de la culture générale. C'est ce qui va expliquer aussi les phénomènes tactiques, etc., qui sont des phénomènes qu'on peut rattacher à la culture. Alors, à la base de la performance, qu'est-ce qu'il y a? Et on a tendance à oublier qu'il y a une entité, quelque chose qui est la base même de toute performance, c'est-à-dire qui est à la base, c'est l'élément, c'est l'électron, c'est l'atome, si vous voulez, de la performance sportive. C'est tout petit des fois, certains exercices physiques sont très petits, c'est juste un petit geste, mais c'est la somme de ces petits gestes qui va nous amener à la performance sportive. Alors, c'est quoi l'exercice physique? Alors, d'abord, nous partons toujours d'une image. Un entraîneur, quand il explique à un joueur quoi faire, il va lui constituer une image dans sa tête. Un joueur, quand il veut faire un geste quelconque, il a une image dans sa tête. Maintenant, pour passer à la réalisation de cette image, il y a trois niveaux de sollicitation. Il y a un niveau de sollicitation physiologique, c'est la base, il faut de l'énergie pour faire un geste. Il y a une sollicitation mécanique, même si on a l'énergie, si on n'a pas le physique pour, et si on n'a pas la technicité, c'est-à-dire le sens même de ce mouvement, donc une certaine mécanique, on ne peut pas arriver à réaliser cet exercice. Et par la suite, tout ça baigne dans une réflexion, donc dans une sollicitation, dans un effort psychique. Et c'est extrêmement important. Tout à l'heure, quand Chris parlait de la discussion qui revient souvent en fin de match, qu'est-ce qui va primer? Est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est le physique? En fait, c'est tout. Mais à la base, il faut de l'énergie. Mais à la base, il faut que la mécanique soit encore bonne. Et des fois, à la fin d'un match, pourquoi est-ce qu'un geste ne va pas être précis ou bon? Parce qu'on a manqué d'énergie ou parce que sur le plan psychique, on n'a pas eu la concentration qu'il faut. Et tout ça, donc, quand ces ingrédients travaillent ensemble, nous obtenons une réalisation. En fait, nous obtenons une autre image. Et c'est la superposition des deux images, donc celle du départ et celle de la fin, qui va nous permettre de mesurer justement la performance. Est-ce qu'on a été bon ou pas bon? Est-ce qu'on a atteint ce qu'on a voulu comme performance ou pas? Pour une unité qui est, par exemple, tirer une balle ou faire une passe. D'accord? Et à partir de ce moment, nous comprenons d'ailleurs tous les process d'entraînement qui sont répétitifs. Pourquoi est-ce qu'on va répéter 500 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois un geste quand on est joueur de football sur une carrière de 10 ans? Parce qu'effectivement, à chaque fois, on va rechercher de superposer les deux images, c'est-à-dire celle du départ et celle de la fin. Alors, en fait, comment se construit la performance sportive? Et c'est ça qui est la chose essentielle et que nous avons tendance à oublier. C'est-à-dire, des fois, on a tendance, et notamment les dirigeants sportifs qui sont dans l'ignorance des choses scientifiques de la performance sportive, vont tout simplement penser au résultat et pas au reste, c'est-à-dire pas à ce qui vient avant le résultat. Et cette confusion dans leur esprit amène aussi à prendre des décisions, parfois administratives ou parfois politiques, qui vont impacter le résultat sportif, qui vont impacter la performance sportive, parce qu'ils n'ont pas conscience du phénomène de la performance sportive et comment elle se construit. Et c'est à partir de là qu'on a déterminé, qu'on a essayé de systématiser et de voir sur quel pilier va reposer la performance sportive, c'est-à-dire quels sont les déterminants de la performance sportive et quels sont les facteurs favorisants de la performance sportive, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent devenir défavorisants parce que dans chaque action que nous menons, il y a un côté productif et un côté contre-productif. Alors, quels sont les déterminants? Alors, les déterminants, on peut les répartir, on peut les systématiser en deux groupes. D'abord, et c'est au départ, et sans ça, il n'y a aucune possibilité de réaliser des performances, il faut un potentiel. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé du fait qu'on ne peut pas imiter quelqu'un dans une marche, en fait, j'ai parlé aussi du potentiel de l'individu aussi. Alors, ce potentiel humain, quand on est conscient qu'il n'y a pas possibilité de faire de quelqu'un qui n'a pas les qualités qu'il faut, qui n'a pas le talent qu'il faut, un grand joueur, là, on prend conscience aussi de ce qu'il faut pour la formation. Mais quand on prend conscience qu'il faut de la formation, là, on prend conscience qu'il faut prospecter, qu'il faut aller sélectionner les jeunes qui ont le potentiel. N'importe qui ne peut pas devenir professionnel.
grand joueur de football. N'importe qui ne peut pas devenir nageur, n'importe qui ne peut pas devenir joueur de football australien ou quelque chose s'il n'a pas un potentiel au départ qui rejoint au maximum les qualités requises pour ce sport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer des sportifs. Il est impossible de fabriquer des sportifs. On part de leur potentiel qui doit être ajusté ou qui doit correspondre au sport qu'on veut pratiquer et ajusté par l'entraînement sportif. Le deuxième déterminant extrêmement important, c'est l'intégration des connaissances scientifiques. Et là, malheureusement, dans les formations justement d'entraîneurs, on oublie que pour parler football, il faut parler des sciences derrière. Il faut parler physiologie derrière, il faut parler biomécanique derrière, il faut parler psychologie, il faut parler de beaucoup il faut intégrer beaucoup de connaissances scientifiques pour pouvoir intégrer ce que peut être l'entraînement sportif par la suite quand on devient entraîneur. Et là, ma petite expérience quand j'interviens notamment dans les formations, c'est que je me rends compte que beaucoup d'entraîneurs sont en manque de connaissances scientifiques. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Internet et qu'on peut très vite aller rechercher de l'information en physiologie ou en biomécanique ou je ne sais quoi. Mais il faut que les formateurs poussent justement les entraîneurs à cette recherche et à cette acquisition des connaissances scientifiques. Donc, si vous avez le potentiel humain, donc des jeunes qui ont un potentiel et des coachs qui ont la connaissance scientifique qu'il faut et aussi technique qu'il faut, là, vous avez déjà les premiers jalons de la performance sportive. Par la suite, viennent les lois et les règlements. Tout sport, toute activité sportive s'opère dans un cadre précisé par des règlements. Et ça n'est pas anodin. Les dimensions du terrain de football nous imposent une façon de nous entraîner. Si demain, le FIFA décide de nous faire jouer sur des terrains de 50 mètres, on va jouer différemment, on va s'entraîner différemment. Si elle décide de passer à des terrains de 150 mètres, on va jouer différemment. Si on réduit la durée des matchs, on va jouer différemment. Donc, les lois et les règlements sont quelque chose d'extrêmement important. Et pourquoi c'est important aussi? C'est important aussi dans les calendriers que nous faisons pour la compétition. Quand une fédération met au point un calendrier ou une ligue ou quelque chose, met au point un calendrier de compétition, c'est une façon d'agir sur la performance sportive. Le nombre de matchs qu'on fait par semaine, les durées des pauses, des pauses entre les matchs, etc. Tout ça va influencer la performance sportive. Et donc, les dirigeants ou les managers qui sont dans un bureau en train de faire des programmes de compétition sportive doivent tenir compte du fait qu'eux aussi vont influer sur la performance juste par une décision de règlement qu'ils auront prise. Alors, bien évidemment, et ça, ce n'est pas aux éminences experts qui sont avec nous dans ce panel que je vais expliquer qu'il faut des objectifs très clairs et qu'il faut une culture du défi. Le sport, c'est d'abord du défi. Alors, ça, si vous voulez, c'est les premiers blocs qui concernent l'individu, qui touchent directement à l'individu. Maintenant, il y a un autre bloc, le deuxième bloc, qui touche à la collectivité et qui sont le contexte socioculturel. Alors, une des questions qui se pose toujours, est-ce que nous sommes un pays du football ? Tous les pays du monde se posent cette question quand il s'agit de football. Est-ce que nous sommes un pays du football? C'est parce qu'en fait, la question véritable sous-jacente qui est derrière, est-ce que nous avons une culture sportive qui aime le football? Et donc, cette question culturelle est quelque chose d'extrêmement important. Et elle est très importante parce qu'elle se travaille également. Elle se travaille par la vulgarisation, elle se travaille par l'élargissement des bases de pratiquants, de masse, etc., qui, eux, vont acquérir cette culture et qui vont constituer le public du football, qui vont constituer la sociologie du football. Bien évidemment, il y a l'histoire. Et à chaque fois qu'on parle d'une équipe de football, très vite, on va dans son historique. Alors, on construit beaucoup de choses sur l'histoire parce qu'on construit une fascination de la performance et des équipes et des groupes ou des compétitions. Chaque compétition, les Américains aiment bien ça. Il faut qu'il y ait une histoire. It must be a story behind. Il faut toujours une histoire derrière le sport. Et c'est cette histoire d'une équipe, c'est cette histoire d'un joueur, etc., qui va fasciner et qui va aussi servir d'exemple et alimenter la culture. Bien évidemment, tout ça aussi baigne dans un contexte politique. Le contexte politique, qu'il soit interne ou qu'il soit international, c'est extrêmement important.
Donc, parce qu'il y a un contexte qui va influer sur la performance sportive et des fois qui n'est pas mesuré. Une décision politique d'un ministre, une décision politique d'un gouvernement peut influer sur la performance sportive. Pas de façon directe, mais de façon indirecte. Des fois, on oublie ces choses-là et on oublie qu'il est extrêmement important de tenir compte aussi de ce phénomène. Si vous voulez, rapidement, c'est ça les déterminantes telles que je les systématise quand j'interviens. Et à partir de là, il y a des facteurs favorisants qui sont la déclinaison de ces déterminants. Alors, quand j'ai parlé de potentiel, je ne vais pas aller sur tous les facteurs pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais quand on parle de potentiel, on parle d'identification de talent. Or, il est très rare de trouver dans une fédération ou dans un club une façon systématique de détecter les talents. En fait, on va aller au visuel. Et généralement, on oublie, sauf chez les grandes structures les plus organisées, les mieux organisées, qu'on doit tester ce potentiel pour nous en rendre compte s'il est là ou s'il n'est pas là. Parce que des fois, quand vous comparez deux enfants, un qui joue bien, un qui joue pas moins bien, peut-être qu'effectivement, celui qui joue bien a un potentiel meilleur. Mais peut-être que celui qui ne joue pas très bien n'a pas eu un bon potentiel, mais n'a pas eu la possibilité de montrer ce potentiel parce qu'il n'a pas eu un bon formateur, parce qu'il n'a pas eu un bon entraînement, ou parce qu'il ne travaille pas assez, parce qu'il ne s'entraîne pas assez, parce qu'il va à l'école et qu'il ne joue au football que quelques heures par semaine au lieu de jouer tous les jours, etc. Donc, le potentiel, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher. Alors, il y a un facteur favorisant dont on ne parlait pas il y a 10-15 ans, c'est la disponibilité. Nous avons de moins en moins d'enfants disponibles pour le sport. Il y a aujourd'hui une grande concurrence des jeux vidéo, etc., qui se fait aux dépens de l'activité sportive. Les enfants qui, en venant de l'école il y a 20 ans, laissaient le cartable à la maison pour aller jouer au football avec les copains, aujourd'hui, ils ne vont pas jouer avec les copains sur un terrain, ils vont jouer avec les copains avec des manettes. Et donc, cette question de disponibilité des enfants va se poser aujourd'hui, mais elle va se poser encore plus à l'avenir. Et donc, le sport se doit de trouver quelque chose pour pouvoir garder justement cette aura et garder et susciter l'intérêt des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont l'impression de jouer au football, mais ils jouent à FIFA. Ils ne jouent pas au football. Et de plus en plus, ils vont jouer au FIFA. Et quand ils parlent entre eux, ils parlent comme si c'est eux qui ont réalisé les gestes qu'ils voient sur l'écran. Ils n'arrivent pas à intégrer que ces gestes il y a de l'intelligence artificielle derrière, que ces gestes sont enregistrés et que lui, quand il fait le geste, en fait, ce n'est pas lui qui a fait le geste, c'est juste l'ordinateur qui a compris qu'est-ce qu'il voulait et qui a réalisé à sa place. Et donc, ça risque de porter un grand préjudice à l'activité sportive en général et au football en particulier. Parce que le football, FIFA pense avoir bien fait en lançant ses jeux, etc. Mais en fait, elle est en train de grignoter sur la population qui est capable ou qui aurait pour intérêt de jouer au football. Je passe rapidement sur tous les autres facteurs. Parce je vous laisse conclure rapidement. D'accord. Parce que je voudrais que tout le monde puisse avoir la parole. Alors, je vais conclure avec ma définition de la performance sportive. Après, je pourrais partager avec les amis les slides. Que la performance sportive, c'est une expression culturelle. Il ne faut jamais oublier que c'est lié, que les gestes que nous faisons sont liés à notre culture. Jamais un Belge ne jouera au football comme un Chinois, jamais un Chinois ne jouera au football comme un Brésilien, jamais un Brésilien ne jouera au football comme un Allemand, jamais. Parce que derrière, il y a un background culturel et nous devons, nous, techniciens ou spécialistes du sport, tenir compte justement de cette empreinte culturelle, ce qui me ramène à mon point de départ qu'on ne peut pas marcher sur les pas de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup de votre attention. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, Aziz Daouda. Je voudrais faire réagir Souleymane Camara à ce qu'on vient d'entendre et notamment à l'idée de la clarté des objectifs. Est-ce que, dès le départ, est-ce que vous, en tant que joueur, quand vous avez débuté votre carrière, vous aviez cette idée, vous aviez des objectifs en tête et c'est ça qui a guidé votre performance? Mais en tout cas, chaque joueur, chaque sportif a un objectif dans la vie d'une manière générale. On a un objectif, on a quelque chose à aller chercher.
Et donc, bien sûr, là, moi, personnellement, mon objectif, c'était de faire ce métier que j'aime tant, et le football. Et voilà, donc c'est ça qui m'a aidé durant ma carrière à chaque fois de franchir un palier. Donc voilà, des objectifs tous les jours et voilà pour atteindre dépasser nos limites en fait. Donc voilà. Avec l'aide de la science en partie, évidemment. D'ailleurs, y a énormément d'outils qui sont mis au service de la performance dans le football. Et je voudrais laisser la parole à José Calindo, qui justement perfectionne des outils et met à disposition des outils pour prédire la performance et pour pouvoir la caractériser au mieux. José, je vous laisse la parole. Thank you, Antoine. Can you hear me well? Perfectly. Yeah, thank you. If you can hear me all. For us, the message that we want to tell the floor and the people attending this call is that we focus our attention on visualizing data. We live in an environment in which you've got data in multiple places. I remember when I studied it here at Fishing Sport 10 years ago, where GPS was new, brand new, out of a laboratory and the AIS. And since we have seen an explosion of different technologies, today you can imagine video, isometric analysis, force plates, every single muscle that you've got in your legs, you actually can measure it. Recovery, you've got medical information. And when we start long back in 2010 for what we call SmartAlyze, we thought, well, what people do and still do. At that time, our main clients, Olympic committees, they used to like and dislike Excel, Microsoft. And it was a very difficult experience at that time and still today for our clients to mingle all these different softwares into a human performance platform. So off we go. And at that time, we tried to accommodate and amalgamate different technologies, and we start our whole journey with medical physiotherapy platforms. Over the years, we have been able to discover what is a very good product for our clients. And I really want to focus on the two examples that you see here on my screen. The first one is, and the critical one, why people like Excel? Because it's flexible, because you don't need someone else to tell you what to do. It's well known that someone in your country, it doesn't matter where you are in the planet, will know how to manipulate Excel in a basic environment, at least. But when you get to synchronization of data, in particular performance data, then we see that clients struggle. And if you want to create beautiful applications, because our athletes are young, and as my colleague alluded, they need something fast and beautiful. Our competition in terms of apps are Facebook, Instagram. That is a type of environment in which our athletes like to chat or communicate. So for us, I'll give you an example of an GPS, which most people here on the floor will know. We've got six, maybe seven decent companies that
they produce GPS environment. What we, the add value that we have is that we capture the raw file of these companies, and what we provide to a customer is the ability to design the information the way that they like it. They can also compare information from GPS to force plate. They can also compare information from GPS to polar heart rate, heart rate variability, sleeping qualities, and dice the information the way that they like it. That is what Saudi alludes as we are all different, and he's right. Craig, Saurio, Antoine, they will have a different way of looking at different parameters. And once again, like Excel, why people like Excel? Because you can go to Excel and do it yourself. The problem is when you want to dig into other information or when you want to share that in a source that encompasses multiple technologies, then Excel all of a sudden struggles and has a difficulty to amalgamate database within database. Quick example, if you are a strength conditioning coach and the coach asks you, I want the information on GPS from last year when we play, imagine we're in Bundesliga, Stuttgart against Bayern, and I wanted last time we played or 2 years ago. If you're a sports science, if you want to look into your Excel files, that will take a long time. And most likely you were not at the club at that time. That is what we call legacy. And legacy is that the data and information belongs to the club. Most coaches will disagree perhaps, but my end customer is not a coach. My end customer is the client and the legacy. So when it comes to testing, also, this is a good example. We're in a professional club. It doesn't matter what it is. And on the floor, you've got different people that is going to check up weight, for instance. It could be urine tests, it could be blood tests, it could be many things. And what we want is to use technology available today so when they are with the athletes are going to the pitch or getting out of the gym, that information from the floor is immediately communicated to the people that should look at this type of data. Example that we know, if you are a young athlete and you have an issue at home, whatever that might be, if you want to communicate that you are not available for training, I will continue. So the way that we communicate is through our apps. And apps are a good example in which you can communicate. If that information is collected from the floor, then in most cases, as in most of our football professional teams in Europe, most likely, what we've got is those panels. As you can see on my screen, those panels will give you a quick overview. Something is wrong. We have run at certain intensity. Who are those players? What are the flags that, for instance, Craig would like to see? What are the flags from a physiotherapy perspective? If you're in a recruiting environment, for instance, as you see on my screen, you might like to see certain physiology aspects for talent identification pathways. But importantly too, if you know what a good footballer looks like for Ghana or Ethiopia or Somalia, you cannot compare yourself with England or Brazil or Australia. You have to be unique in the way that you scout your athletes that fits your model. So what we're providing here is a communication pathway in which you can clearly see what is the best team that you can provide based on the skills and the way that you like to play. Example, you might like to cover the midfield faster than anyone else. Well, your VO max capacity for this particular player should be really high. Do you have it? When was the last time you tested? And if you tested, what kind of test you have conducted? And importantly,
how you communicate that to the people that is going to take actions and decisions. It's all about the right information. It's all about how you collected it. And our job is to display it in a way that you can compare it. You might disagree, you might agree, but if you want to one day prevent an injury, you have to know a decent data that belongs to a history. When was the last time that you athlete got injured? What kind of injury that is? Who treat that athlete? Very important, because in what we do, trust is very important. And if you don't know that data, or within the clubs, they don't want to perhaps, or they don't have it, then how can you assess physical performance with an injury? You have to be able to have the two or the three or the four data sets to make sure that eventually you will understand a pattern. And a pattern could be an individual pattern, or it could be a collective pattern. Goalkeepers are not strikers. The strikers are not midfielders. And if you are able to not just provide a medical consultation, for instance, that could serve also for insurance purposes, for the well-being of the athlete, that is the type of work that we really like to see develop a bit further in African nations. If you go to any perhaps European country, or Australia, USA, Canada, yes, this is well known. And we've got the ability to share in between the clubs, the state, the country, the clubs, and the combination of the data sources. So that type of environment is what we hope that is going to be duplicated, or at least share it. And again, our big voice is for sharing. Sharing is caring, and that's the main principle that we are applying here. How can we actually make this happen? So what you're showing on the screen is just examples, different examples of how data could be visualized that would fit a persona. A persona is a head coach, a physio, a strength coach, the athlete, don't forget the athlete, and anyone who works in the support role for the club, the federation, or the country. And as we alluded before, my biggest competitor is Excel. This is, every day I wake up and I think, what can I do better than Excel doesn't? And to build, like Excel, the ability for the scientists to build it themselves, that could also open in a beautiful application that people would like to see. That they, when they wake up, analysts, athletes, coaches, they really like to review the data in a quick snapshot and continue with their work. That is our main goal. Our main goal is to, in a nutshell, do not use people that know JavaScript or React. For people that don't know IT, if you want to build Facebook, Instagram, you need someone who knows JavaScript and or React. And that is the limitation between someone that studies sports science or data science from collecting data, analyzing data, and displaying in a mobile device and or a computer. Our biggest achievement as a business is what you see on the screen. This is where we put all our effort. So you are able and capable of building mobile applications from your PC straight to a mobile device. Once again, no JavaScript, no React, no knowledge of coding. And of course, and I finish with this and a statement. If you are not on a mobile device, forget it. Athletes will never open a computer. That's not how they operate. That's not how that works. If you are not able to collect data within 5-10 seconds, forget about it.
If you ask athletes to collect data, and if you don't give something back, once again, forget about it. Because this is in the environment that we live. Facebook, Instagram, Snapchat, you name it. It's all about simplicity. It's all about visualization. And if that is not easy and accessible, then we've got a big part of the puzzle that is left behind. So we look after them. And mobile, very important. As you can see on my screen, it needs to come with technology, face recognition for security. In Europe, this is very important, data privacy. You have to have all the securities available for data protection. I'm sure that in Africa it's the same. And we need to secure the data for our employers, for our scientists too. So that's me really. And that's a quick and a summary of the elements that we look after, Antoine. Merci beaucoup, José. Et je remarque que pour illustrer les blessures, vous avez choisi, pas n'importe quel joueur, vous avez choisi Neymar. Les supporters du PSG apprécieront. Sadio Demba, par rapport à ce qu'on vient de voir et cette technologie qui doit être utilisée dans le football, qui est utilisée dans le football, est-ce que ça change vraiment radicalement le métier d'entraîneur? Look, in our experience, what a coach likes to see is a quick summary of what is happening on the floor. And importantly, as I mentioned before, in the Premier League, one of the key variables to success is players available for games. Very simple. The more players you've got available for games, the better you are. And the stronger the team. So when, after the season is ending, usually are the reviews as to what we have done wrong or right. So we can analyze what has happened. But when we are running, meaning tournament, the critical variable is players on the ground. Now, football like rugby, you sometimes play injured, but the degree of the injury and how the physios work with the sports science team and all the rehabilitation people too, is critical so the coach understands who is available and if they are not ready or fully ready, what are the implications? Meaning, could this defer the tournament? Now in Europe, we've got three main tournaments. Not everyone plays every single game. So for them, availability is a key topic. And when I refer to availability is how my team works together. So that number and that KPI is at the front of their view. And that's what they chase. Merci José. Je voudrais donner la parole rapidement à Chris Van Der Engen parce qu'il va devoir nous quitter en raison d'un autre engagement. Je reviens vers vous rapidement, coach Demba. Chris, vous voulez nous parler de la avec un exemple d'ailleurs de la performance lorsqu'elle est globale. Oui, surtout aussi de la complexité. Et on vient d'entendre dans les deux témoignages que voilà, c'est très complexe. Et je ne sais pas, est-ce que vous pouvez montrer le clip vidéo? Je l'utilise chaque fois dans nos formations des entraîneurs pour demander, OK, quels sont les yeux avec lesquels on regarde ce qui se passe sur le terrain? Donc, voilà, quand on regarde ce clip, c'est la fin du match, donc vraiment la fin du match. Et je pose puis la question aux entraîneurs, quel est le facteur déterminant qui nous mène ici à avoir du succès? Donc, quel est le critère qui est décisif dans la performance? Vous pouvez le déclencher, le vidéo? Et je leur donne... Courtois, safely grabbed. And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan, desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment.
Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli strokes Belgium into a quarter-final against Brazil. Voilà, chaque fois je pose la question, est-ce qu'il s'agit ici du paramètre physique qui fait qu'à la fin du match, il y a 5 joueurs qui font un sprint de 80 mètres? Est-ce que c'est ça qui domine? Est-ce que c'est plutôt l'aspect tactique, parce que c'est le gardien qui lance la contre-attaque et on voit que 5 joueurs plus ce gardien ont pris la même décision, c'est « allez, on va y aller ». Ou est-ce l'aspect psychologique mental qui fait que même à la fin du match, dans au temps additionnel, on va encore, oui, chercher le but de la victoire? Ou est-ce que ce sont les gestes techniques qui font la différence? Par exemple, la course balle au pied de Kevin De Bruyne, la passe parfaite, la passe devant le but, Lukaku qui laisse passer le ballon et Chadli qui termine. Donc, on a différents facteurs, et c'est comme M. Daouda a dit au début, ils sont tous importants. On a besoin d'essence, on a besoin d'énergie, donc l'aspect physique et physiologique est important, mais le football, c'est un sport de prise de décision, la prise de décision collective. 5 joueurs qui pensent à la même exécution, le gardien qui fait partie de la même décision collective. Et puis, il y a les décisions individuelles qui doivent aller de pair avec la décision collective. Donc, c'est vraiment, vraiment très complexe. Et comme on vient d'entendre dans la présentation de M. Galindo, en effet, les outils techniques sont là pour nous donner des données et pour nous aider à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment très complexe. Et un entraîneur, voilà, il devient aujourd'hui manager. Et les données que les sciences nous donnent sont extrêmement importantes. Et c'est pourquoi le coach principal, qu'il a besoin dans son staff de spécialistes au niveau physique, spécialistes au niveau mental, spécialistes au niveau de données, pour interpréter les données. Sinon, il ne sera pas capable d'arriver vraiment à une optimisation de la performance. Et je crois que c'est ça. Je compare toujours, quand je reçois un rapport plein de data, de données, parfois c'est du bruit. Mais un expert est capable de traduire le bruit en information. Et c'est ça qui est important. Il faut des spécialistes pour comprendre les données et pour traduire les données en information et pour passer cette information au coach. Et c'est le coach qui, avec ça, il a un outil qui va l'aider à prendre la bonne décision et dire, OK, voilà, celui-là, le risque de blessure, c'est trop grand. On doit attendre. Ou même chose avec la charge de travail pendant la semaine. Comment est-ce qu'on peut bien partager la charge pour ne pas, pour être prêt pour le match, pour être à 100% prêt pour le match, pour ne pas avoir de fatigue. Et après le match, on fait le contraire. Comment on peut maintenant faire récupérer les joueurs de la meilleure façon pour être prêt à préparer le match prochain? Donc, et je crois que Sadio va vous expliquer plus en détail maintenant que ces outils technologiques, oui, qu'ils sont là, ben, il faut en profiter. Il faut les utiliser, mais il ne faut pas trop écouter et entendre du bruit. Il faut transférer le bruit en information. Et pour ça, il faut des spécialistes. Merci beaucoup, Chris, pour cette présentation. Sadio Demba, Chris prend un peu mon rôle, il joue les modérateurs. Et effectivement, comment arriver en tant que technicien à ne pas se perdre dans cette masse de données, d'informations qui sont désormais disponibles. Voilà, tout d'abord, permettez-moi tout d'abord de
rendre un grand hommage à M. Pape Diouf, saluer Diapo Entertainment pour l'initiative et exprimer ma gratitude envers M. Chris Van der Haar, qui est le directeur de l'école des entraîneurs, mon professeur que je salue pour sa disponibilité. Voilà, pour parler de la gestion de la performance, permettez-moi de souligner le leadership qui sera au milieu de notre graphique. On peut bien se poser des questions à savoir comment situer les similitudes entre une équipe de foot et une entreprise. D'où la question qui revient souvent. Gère-t-on une équipe de foot comme on gère une entreprise? L'importance de l'école est à souligner dans ce contexte, parce que l'école nous donne une certaine méthodologie, une méthodologie pour acquérir des compétences complémentaires en termes de leadership et de gestion. Durant les formations, il faut saluer ces rapports. Quand on gère une équipe, on gère les ressources humaines qui sont mises à disposition dans le but d'obtenir la performance maximale possible. La vie de groupe, les motivations, les compétences, etc. Pour ne pas, avant de revenir sur l'outil utilisé, je voulais juste parler des relations humaines, principal moteur de la gestion d'une équipe. Pouvoir communiquer et maintenir une bonne relation avec ses joueurs, ce qui reste une des clés de réussite dans la gestion de la performance. Être positif dans ses discours, une communication. Voilà quelques points que je voulais souligner avant de parler de l'outil proprement dit. Vous devez savoir aussi que pour un coach, aujourd'hui, il ne s'agit pas de juste pouvoir entraîner une équipe ou de préparer une équipe. Nous avons vu les exposés de M. José, les outils qu'on utilise aujourd'hui. C'est parce qu'on a un grand staff composé des experts qui nous donnent toutes ces informations pour pouvoir préparer ou les entraînements de demain ou les séances à venir. Je crois que c'est très important de parler de la contribution de ce staff, de tous ces membres qui constituent ce staff. Parce qu'aujourd'hui, une seule coach ne peut pas faire tout ce travail. On reçoit autant de données, autant de rapports que si tu n'as pas des gens capables, des experts à côté, tu ne passes pas. C'est devenu primordial de nos jours. Je crois que pour tisser des liens, surtout pour tisser des liens, je crois que la plus simple chose, c'est de se retrouver en dehors des terrains, d'où cet outil. Alors, si vous me permettez, je vais vous parler de cet outil. Avant de parler de cet outil, il y a cette gestion des conflits, les performances statistiques, les transports des compétences, tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, on l'a sur les schémas. Le préparateur physique, parce qu'on travaille avec des foulards, nous amène des informations qui nous permettent de préparer la séance du lendemain. Savoir si ces joueurs ils sont capables de maintenir cette même tendance ou s'il faut diminuer le contenu. Quand je parlais tout à l'heure du staff, vous comprenez qu'il y a le coach mental, le préparateur physique, qu'il y a les diététiques, qu'il y a un entraîneur gardien, qu'il y a deux adjoints coach. Et tout ça, c'est aussi ce qui peut nous permettre de gérer cette performance. Pour moi, le second volet que je vais vraiment expliquer, c'est l'outil. Aujourd'hui, que tout un coach doit pouvoir manipuler.
quand tu vous reviens sur l'exposition de José, il y a autant de données, qui fait qu'aujourd'hui, le coach ne peut pas être seulement celui qui vient à l'entraînement, présenter sa séance, préparer son match et partir. C'est devenu très, 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 très complexe. Et pour cela, pour nous coach, on a une application de référence pour non seulement organiser le club, renforcer les liens avec les joueurs, faire progresser l'équipe, voir les statistiques et de pouvoir garder l'historique saison après saison. Je vais un peu, très brièvement, pour ne pas vous tenir longtemps, parler de ces fonctionnalités de gestion de l'équipe. Parce que l'outil qu'on a, ça nous permet de fixer l'effectif, les profils, de faire passer des messages, de diriger un calendrier, de faire passer les convocations, même la composition de l'équipe, distribuer des questions de tâches, rédiger le championnat, les statistiques, les rapports d'après-match, les appréciations ou conclusions. Qu'est-ce que ça nous permet? C'est de gagner du temps dans l'organisation, dans la gestion. Et ce qui permettra à tout un chacun, membre du staff, joueur, dirigeant, de prolonger cet esprit d'équipe. Parce que quand on parle de gestion de la performance, on a tendance à juste nous focaliser sur le résultat, alors qu'il y a un tout. Et c'est très important que nous y reviendrons. Parce que je crois que ce plateforme, c'est aussi, ça peut permettre au football africain de prendre des repères. Parce qu'il y a une grande évolution. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on peut développer le football africain avec un modèle différent. Parce que nous n'ignorons pas les réalités de notre société en Afrique. Les moyens qu'on a ici pour pouvoir s'occuper de tout cela, est-ce que chez nous, on a ces mêmes moyens? C'est une question que je vous laisse le temps d'apprécier. Donc, pour revenir à cet outil, donc, je vous dis, c'est juste pour passer de cette gestion de performance. Donc, on a une façon de poser les messages, une communication simple avec l'équipe. On peut envoyer des infos des dernières minutes, échanger avec les joueurs en dehors des terrains d'entraînement. Ça nous permet aussi, cet outil nous permet de planifier sérieusement les événements de l'équipe, les matchs, les entraînements, les tournois, les dîners. On peut partager le calendrier, partager les informations, l'adversaire, les rendez-vous. Annuler un événement, par exemple, sans pour autant devoir faire des affiches ou passer des coups de fil. On peut mettre la composition de l'équipe, choisir le schéma tactique de cette équipe, voir aussi cette composition. Tout le monde participe à la vie du groupe avec cet outil. Donc, quand on parle encore une fois de plus de gérer cette performance en tant que coach, on peut s'appesantir sur différents aspects. C'est très vaste. Alors, dans ce championnat, dans le championnat par exemple, cet outil nous permet de poser le calendrier. On a les résultats, les classements, des informations sur les résultats journée après journée. Toute l'équipe suit l'évolution du classement. Et dans cet outil même, on peut aussi incorporer les statistiques, avoir les détails de l'équipe et de chaque joueur. Parce que des rapports sont mis à jour. L'état de forme, ainsi de suite. Si nécessaire, un suivi individualisé. Il y a aussi les rapports d'après-match qu'on peut instaurer. En gros, voilà ce que je voulais
accroché pour ne pas vous retenir longtemps. Et pour conclure, je vais juste faire une petite suggestion de ma part. C'est de demander comment nous pouvons aider nos coachs africains connaissant la réalité de notre société. Comment on peut les aider à pouvoir gérer cette performance avec leurs propres moyens, sans pour autant copier le modèle européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sadio. Effectivement, on voit que la question est extrêmement large. Je voudrais finir avec Craig Duncan, qui attend patiemment depuis l'Australie et qui voulait parler de cet aspect de la performance au sein de ce qu'il connaît, donc de la sélection. Yeah, thank you, Antoine, and thank you, everyone. I've enjoyed the presentations very, very much. Look, I agree. Avec Aziz, avec la présentation d'Aziz, très intéressante. You know, there's not any one of us is the same, so we need to actually look at every player's potential in a different light, and the individualization of training is very important. Me as a sports scientist, my job is to deliver a team to the coach that is healthy and ready to play how that coach wants to play. So it's very important that a sports scientist works very closely to understand the coach's philosophy of how they want to play. So that's what I look at. What sort of style do they want to play? What do they want out of each of their individual players? The positional differences of those players. And then we look at those players and then prepare them accordingly. But just as Mr. Aziz said, if they do not have the potential for those positions, then it's very difficult to take them to the level that we want to take them to. Also, Mr. Jose, I know very well. And the product that Jose was showing today is very much part of what our company does. We have had a long-term relationship, in actual fact, with the product SmarterBase, and I've used it with all my clients around the world. And that is very important. And how I talk about that is, I think in football science, it is very important. In actual fact, it's quite easy to increase the fitness or to increase the capacity. We can do that. We can increase that. And I'm sure Mr. Aziz would agree and all the other people on the panel. It's not difficult to increase that up. What is the problem is performance is actually a relationship between the capacity, but also what I call the noise on the other side of that equation, the fatigue, the stress, the outside influences, they will all take away from the capacity. And what I've done in my career is specialize in managing that noise, the sleep of the player, the stress of the player, the fatigue of the player, maximizing recovery, working on this to the minute detail. And that's why the important product that Jose was showing, and I actually didn't know Jose was going to be here today, is integral to what I do. By daily monitoring of players, every day, players filling in our data and us capturing data from all the devices they have, our sleep data, all this data comes to us. And then we can identify, is that player in their optimal performance zone or are they not? That's the question. Is that player ready to do what the coach needs them to do today or not? As Jose said, and as everyone knows around the world, we need our best players to play. This is one of the things, and Mr. Sadir was just saying that it's quite interesting. Sport is like a business. We have human resources. We have human capital. There is no point paying $100 million for a player that is injured. We need that not to happen. We need to manage the human capital, and it can be done if we manage this noise.
See, a football player is only at training for 2 hours a day, and maybe in an afternoon session, maybe 3-4 hours a day. There's 20 hours of that day they are not with us. We need to know what that does. And through technology, we can, things like the Apple Watch, this ring I wear here, the Oura ring, all this data can be collected when they're not at training and come into our system so we can identify exactly where that person is in respect to their overall performance level, or what we call their optimal performance index. Now, the last number of years, I really enjoy working with international teams. And we've got a number of publications in this area of working with international teams. And the players know this, and the teams around the world, is that there's a problem between the club that pays the player. So the club pays the player and the national team. Okay. The club doesn't want them to get injured with the national team. So over the years, I believe the secret to that is, as a national organization, is to monitor every one of our players that's on our radar. Doesn't matter how many players it is, to monitor them on a daily basis. So we are getting that data daily from the player and also from the club. So when they actually do come into training camp, when they do come into a FIFA window, we know exactly what level they are at. And we've developed a number of algorithms to help the coaches identify where is that player at. We call it the optimal performance index, before they actually select the squad. So this is very important. And I think that's the secret, really, or one of the secrets to actually maximizing performance. It's managing this noise. Yes, we can get them fit. Yes, we can help to maximize their potential. However, ultimately, what we need to do is to make sure everything else on this side of equation is good. There is no good increasing fitness and increasing fatigue, because we're going to get a loss in performance. So if you think of an international tournament like the African Cup of Nations, the Confederations Cups of Asia, the European Championship, the World Cup, Copa America, all these, they're tournaments played a number of games through the tournament, the group stage, round of 16, into quarterfinals, semifinals. It's about managing that noise, making sure that they're sleeping well, they're eating well, keeping track of things like their heart rate variability, all this data, to feed it to the coach in a form that they can understand very clearly. That's the thing, that's very clearly to show, yes, this player is in their optimal zone. They are ready to go. This is where the team is tracking. They are ready to go for what you want to do to play tactically. See, I believe sports science is a small portion of the puzzle. There's no point having very healthy, fit players if they can't play the game. If they're technically no good, tactically no good, it doesn't matter. But I believe, particularly in nations, the African nations, I think can make a huge advancement by really refining this noise, particularly in tournaments, to manage aspects. But I liked what Mr. Aziz said, and it's very important that we have to understand the culture. Of everywhere I go to work, I have to understand the culture. And what I do is immerse myself in the culture. You know, last year we had a team in Japan we were working with. I have to understand the Japanese culture to be respectful of that. An African culture, a Middle Eastern culture. Wherever I am, I have to understand that I have to work with those players inside their cultural understanding and how they want to play the game of football. So I think this is very important. And just my last point before I finish, and Jose touched on it, and Sadio, you touched on it too, and as is, we've all said it. With all the technology that's out there,
And I've been using GPS since 2002 because it was actually developed in Australia. So for nearly 20 years, I've been using GPS. The problem is with technology, it can explode the amount of numbers that we have, but those numbers mean nothing if we do not translate them. Before this conference started, I was listening to my friends here and they were speaking French and I couldn't understand. And sometimes that's what the sports scientist needs to understand, that we could be speaking French to a coach that doesn't understand. And that's what we do with these numbers. We need to make these numbers talk, to translate these numbers so the coach can make key decisions for the team to win the game. So for me, the coach and the players, they're the artists. They're the main factor. I believe my job is like I make sure the brushes are ready so the coach and the players can create a masterpiece, a beautiful painting. And that's what I think. So thank you. Thank you for this opportunity to be here. It's a great honor to speak to everyone here and be involved with my friends here. Thank you. Merci beaucoup à vous, Dr. Duncan. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais conclure avec Souleymane Camara. Souleymane, si vous pouvez rallumer votre caméra, comme ça tout le monde pourra vous voir. Votre carrière s'est étendue, elle vient de s'achever, elle s'est étendue sur de très nombreuses années. Vous avez connu presque plusieurs époques du football. Quel regard vous portez, vous, sur ce développement des sciences de la performance, de tous ces scientifiques qui n'étaient pas là quand vous avez commencé votre carrière, où on faisait juste des tours de terrain pour la préparation physique et ça suffisait bien. Oui, merci. Et en fait, il y a eu une grande évolution, hein, comme ils l'ont si bien dit tout à l'heure, même si je ne comprends pas trop l'anglais. Mon anglais n'est pas trop clair, mais donc. Voilà, mais en tout cas, il y a une grosse évolution depuis 10, voire 15 dernières années. Notamment, nous, quand j'ai débuté à Monaco, on faisait le travail physique n'était pas le même. Donc, voilà, je me rappelle lorsqu'on était en préparation en Suisse, avec Monaco, Antonio Pintus, l'actuel préparateur physique de Real de Madrid, qui nous faisait courir, et c'était tellement dur. Et à la fin, notre capitaine, qui est Ludovic Juli, qui a pris le micro et il lui a traité de tous les noms. Mais bon, après, maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé. Ce que j'ai l'habitude de dire, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que je me fatigue moins, en fait. Je souffrais moins. Et donc, voilà, est-ce que c'est par rapport à l'évolution des outils de travail? Certainement. Et donc voilà, il y a une grosse évolution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils, hein, qui nous permettent d'améliorer nos performances. Il y a un des intervenants qui l'a dit tout à l'heure. Après, il ne faut pas se fuir sur les outils technologiques ou quelque chose comme ça, mais ça doit nous permettre ça doit nous aider pour atteindre nos objectifs. Donc voilà. Est-ce que c'est pas trop complexe au bout d'un moment, à votre avis? Trop complexe, c'est-à-dire? Pour le joueur, à tout ça, à assimiler et à réussir à ressortir le meilleur au moment où il le faut, en match. Complexe, non, après, parce qu'on a des, comme il y a un de vos intervenants qui l'a dit tout à l'heure, et voilà, il y a chaque
membre de l'équipe a un rôle. Et donc, les entraîneurs sont là pour nous donner une direction pour aller en fait par rapport à la direction à prendre plutôt, excusez-moi. Et donc, voilà, nous, on est là, on prend les informations qui nous donnent, que le staff nous donne pour qu'on puisse le transformer sur le terrain. Et donc, voilà, après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, notamment l'après, comme j'ai l'habitude de dire, en dehors du terrain. Le plus important dans notre métier, c'est en dehors du terrain, ce qui se passe après les entraînements, après les matchs, hein, ce qu'on fait et ce qu'on mange. Et ça, je pense que c'est très, très, très important pour un sportif de haut niveau de connaître tout ça. Tout ce qu'on appelle communément la préparation invisible. Je voudrais finir avec Aziz Daouda, qui a ouvert cette conférence et donc qui va également pouvoir la conclure. Aziz Daouda, est-ce qu'on est arrivé à un sommet de la recherche? Où est-ce qu'elle doit encore aller, cette recherche de la performance? Quelles sont les zones encore à explorer, à votre avis, pour le futur? On n'est qu'au début. Depuis que l'humanité existe, elle est au début de quelque chose. Vous savez, quand vous avez, par exemple, posé la question à Souleymane, est-ce que ça a beaucoup changé? En fait, non, ça a juste évolué avec l'humanité. Nous avons évolué en tout. Aujourd'hui, nos avions sont plus rapides, nos voitures sont meilleures, nous opérons le cœur différemment, nous faisons beaucoup de choses différemment de ce qu'on faisait il y a 10, 15 ans, 20 ans, parce que c'est ça le progrès, finalement. Mais en fait, je suis très content que pratiquement tous les intervenants aient dit la même chose, parce que nous avons tous dit la même chose. Nous avons tous dit qu'il y a des particularités, nous avons tous dit qu'il faut tenir compte des choses scientifiques, etc. C'est extrêmement important. La science, à mon avis, doit intervenir à quatre niveaux. Enfin, elle intervient à quatre niveaux. D'abord, pour détecter le potentiel, parce que ça, c'est la base. Ensuite, pour mesurer, est-ce que c'est une partie de ce que nous a expliqué brillamment José, mesurer l'impact de ce que nous faisons sur ce potentiel. Parce que quand vous entraînez, vous agressez le corps. Physiquement, physiologiquement et psychiquement. Mais vous devez être en mesure de mesurer l'impact du travail que vous avez fait. Parce que c'est ça, c'est ces mesures-là qui vont vous permettre de prévoir le futur de votre travail, comment vous allez évoluer dans votre travail. Et tout ça, donc ces trois niveaux, vont nous donner le quatrième niveau qui est l'évolution de nos manières de nous entraîner. En fait, l'évolution des sciences de l'entraînement sportif. La tactique, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est quelque chose qu'on va mettre au point en fonction du potentiel que nous avons, des joueurs que nous avons en face, entre les mains. Les techniques, on ne les crée pas. C'est la façon dont va s'exprimer le corps humain une fois qu'il a eu une bonne condition physique, parce qu'il lui permet d'avoir de bons appuis, d'avoir de bonnes articulations, de pouvoir fléchir et courir et sprinter et faire des choses extraordinaires sans se fatiguer, comme vient de le dire Souleymane, parce qu'on a mesuré l'impact et parce qu'on sait comment faire récupérer, etc. Donc, nous sommes qu'au début d'un process et nous allons toujours être au début du process. Merci Aziz Daouda. Merci à tous. C'est forcément un peu triste de se séparer, mais voilà, ça va bientôt être l'heure. Dans le monde réel, dans le monde d'avant, on se serait retrouvés, on aurait bu un thé au bar et on aurait continué à échanger là-dessus. Là, on va simplement se quitter comme ça, en résumant que finalement, la performance, elle est avant tout humaine. Elle vient finalement de soi et la science peut apporter des progrès petit à petit. Mais au final, ce sont toujours les joueurs, les athlètes et leurs entraîneurs et leur relation qui comptera au bout du compte dans les choix qui sont faits. Je vous rappelle à tous, chers intervenants, qu'à la fin de la session, vous pourrez vous connecter au lien qui vous a été envoyé pour une petite conférence de presse avec des journalistes. Vous pourrez répondre aux questions. Et on va finir sur une petite photo de famille. Donc, je vais vous demander à tous de ne pas bouger. On reste bien, bien en face de l'écran. On sourit, on fait son plus beau sourire.
Ah, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elle est faite, cette photo? Voilà. Bon, merci encore. Merci à vous. Le lien pour la conférence de presse est dans le chat, dans vos messages sur la droite de votre écran. Je vous remercie à nouveau et à très bientôt. La prochaine conférence cet après-midi. N'hésitez pas à la suivre dans ce Antoine, forum. Merci de rappeler aux intervenants de tchatcher, de tweeter hein, tous les messages qu'on a eus avec eux. Vraiment, merci d'avoir participé et surtout, merci de relayer le message. Vous avez été extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, on se rejoint dans 2-3 minutes pour la conférence de presse sur le lien qui est dans le chat. Merci beaucoup. Les interprétations.